Eh bien, le bonsoir YouTube, nous sommes en live sur Twitch, on continue l'aventure sur Digimon The World 2. Redigitize. Décode. Ok, donc, magnifique. Magnifique. On a fait la chorégraphie avec le chat, on a tout prévu avant. Ça le fait. Donc, on en était où? On en était où? Je ne sais pas. On avait ce Digimon qui ressemble à un catcheur jetpack, loup. C'est du délire. Donc, on avait recruté à nouveau Jogun Jegomon. On avait des mails, mais non. L'équipement, voilà. On avait sauvé la tortue. On a fait plein de choses la dernière fois, samedi matin. Le live du samedi matin était très... fructifiant. Donc là, ce qu'on va faire... C'est très fructueux. Donc là, quelle heure il est? 18h04. On va chercher Yuramon. Il est où Yuramon? Si vous voyez Yuramon, faut me le dire. Attendez, il est peut-être là-bas. Il me semble qu'il est là-bas, Yuramon. Oh la gueule. Donc Yuramon, c'est le petit violet et blanc. Il est là? Non. Là non plus. Il est là. Oh non, il a envie de chier. Mais attends. Attends. Waouh, cette statue, je l'adore. Attends, je dois y aller. Il faut qu'on aille parler à Gotha. C'est quoi ce bruit? Vous avez entendu? C'est quoi ce bruit de taré? Mais attendez, il va faire caca là, c'est pas possible. Allez, vas-y, tu vas te chier dessus, mon pauvre vieux. Allez, fais-le dans le pot, on n'en parle plus. Donc Yuramon, y a pas eu un bruit chelou genre waouh? Et non, pourquoi il y a une ombre? Ah non, c'est une plaque d'égout. Donc Yuramon, bonjour. Waouh! Cette statue, je l'adore. Qu'est-ce qu'on lui dit? Au lieu de lui dire, je suppose que tu as raison. C'est tellement un fashion faux pas. Ou c'est cool, on va lui dire c'est cool, hein, on va être sympa. Ah, mon Digimon, je sais pas s'il est stylé, mais il part en couille, ça c'est clair. Ah, tu comprends toi aussi, l'art. I want to make one like... J'aimerais beaucoup faire une sculpture comme Sam Oiseau aussi. Mais comment je peux faire? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu peux le faire. Quoi, sérieusement? Tu penses vraiment ça? C'est... Oh, je suis super excité! Digivolution. Grâce au pouvoir de l'amitié, Yuramon évolue en... Ok! Budmon. Oh! J'ai digivolvé, mais... C'est pas assez bien. J'ai besoin de travailler un peu plus mon art. Je vais partir en voyage. Peut-être qu'on se reverra un jour. Je créerai mon art à moi également. Mais il se barre. En mode, c'était la storyline. What the fuck? La storyline. Ok. D'accord, pas de problème. Oh là là. J'aime trop ce jeu. Voilà. Je trouve qu'il est très japonais. Dans son... Oh là, il y a... Oh putain, vous avez loupé ça? Bah tant mieux, parce que regardez, il est à vous, il est là, il est pour vous. Rien que pour vous maintenant, regardez-le. Vous voyez cette souris ultra creepy? Ben on l'a vu dans le dernier épisode. Magnifique, n'est-ce pas? Ah, c'est marrant de marcher sur l'eau, pas vrai? Tu le fais une fois et tu peux plus t'en passer. C'est tout ce qu'il a à me dire, lui. Et on a Gururumon, le cousin de Garurumon. Hey, c'est toi. Comment ça va? T'es toujours en train de t'entraîner? Waouh. Les humains ne savent jamais abandonner, dis donc. Do you want to invite Digimon to... Ah bah vas-y, on va l'inviter. Hein. Parce que maintenant, on est gestionnaire d'un hôtel également. Tu m'invites au manoir? Oh, je cherchais simplement une chambre sympathique. Toutes les salles cool sont occupées. Invite-moi quand ce sera disponible. Mais putain, mais on s'est vraiment transformé en... Comment ça s'appelle? En majordome?
Otsukare-sama. Otsukare-sama ? Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai peur qu'il meure mon Digimon, je vais pleurer s'il meurt. Parce qu'on a des choses à faire, j'ai pas envie de refaire le training à zéro de l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une excellente question. C'est un amas de caca. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on aille dans les égouts. Ah, mais il y a lui là, regardez, c'est lui là. C'est pas lui ? Oh ! Est-ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Regarde quoi ? Il se complète charrette, ça veut dire quoi charrette ? Ah, il est complètement pourri, chaque jour j'en trouve une comme ça. Ok. C'est naturel peut-être. Je garderai un œil sur toi. Je compte sur toi. Pourquoi il me dit je compte sur toi? Ah, il veut voir si la nuit. En gros, la nuit, il y a un gigot qui est pourri. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il nous raconte, le man. Donne-nous. Allez, c'est bon, il nous a donné les gigots de. Les gigots de la journée. On a parlé à Yuramon, on est allé dans le truc, on va aller dans les égouts. Ah oui, c'est Birdramon qu'il fallait que je chope. Il faut qu'on aille dans le marécage pour choper Birdramon. Allez, hop, c'est parti. Let's go, le marécage. Ah, c'est ta préférée, Palmon, Lulu. C'est qui votre Digimon préféré, là? Allez. Moi, je pense que la plupart d'entre vous, ils préfèrent le... Ah non, mais il n'y est plus, merde. Je vais faire la blague. La blague avec le... La souris immonde. L'immonde souriceau. Il faut qu'on aille dans le... Ah, mais il y a Yuramon, là. Mais il y a plusieurs Yuramon. Ah, peut-être un jour. Ok. Peut-on trouver... il vaut un... Une griffe de pleine lune. Je l'ai. Tu m'as menti. Le pauvre. En même temps, une griffe de pleine lune, mec, à mon avis, je la garde pour moi. Hein. Ça fait évoluer en Garurumon, peut-être. Ou en Gururumon. Tantomon, Tantomon. Dur de choisir entre Kunemon et Lopmon. Mais Lulu, c'est par rapport au... C'est par rapport au let's play que tu dis ça? Ou juste tu les kiffes réellement dans la vraie vie, quoi? Dans la vraie vie. Sole. Sole. Il faut que tu vives. Non, je les kiffe vraiment. Et tu les as découverts dans le jeu. C'est ça que je veux dire. Energy Lemon. Bon, là, c'est les égouts, mais du coup, c'est pas par là. J'ai l'impression qu'ils m'attaquent pas là les mobs, mais c'est parce que peut-être que j'ai un Digimon trop grand pour eux. Je connais pas si Digimon pour choisir, mais je dirais Patamon par... Patamon. Patamon. Rien que pour le nom en fait. Patamon. Boom Bubble. L'attaque signature c'est Boom Bubble à Patamon. Voilà. Ça avance pas à grand chose. Laisse-moi tranquille. Ah, le défaut de ce jeu c'est ça. Les batailles qu'on peut pas fuir. Bon, heureusement ça va aller parce que mon Digimon il est correct, on va dire. Yes. Nous avons gagné un pot de chambre portatif. Ça c'est formidable. Je sais pas par où je dois aller. C'est rentré dans mon cœur. Pourtant Kunemon c'est vraiment pas le Digimon le plus aimé hein. Mais c'est vrai qu'il fait vraiment de la peine pour le coup dans l'autre. T'as envie d'adopter quoi. Oh, c'est quoi cette route? Ah mais si, c'est la route du... de la stèle. Ah. Oui. Oh, y'a Nanimon là, what the fuck. Ok. Kanarazukatsu. On a une super attaque. Oh là, oh là.
Il veut pas attaquer. Ah c'est bon. Le problème c'est son attaque elle est... Genre je pense que j'ai la pire attaque du jeu quoi. L'espèce de... L'animation elle est vraiment naze. Alors vas-y. Nanimon, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça c'est un des Digimon les plus laids qui existent. Eh hey, qu'est-ce que tu veux? Tu veux des problèmes? Qu'est-ce que tu fous? Shogun Jekowen m'a demandé de rénover le Doremi Fa Manoir. Je ramassais les branches ici. Je voulais en prendre avec moi mais j'arrive pas à avoir des bonnes données. Je suis fatigué et je prends une pause. T'as besoin d'aide? Oh, tu m'aiderais, ça serait génial. Rapporte-moi 5 pièces. Je sais pas comment ça fonctionne. Ah what? Attends, comment ça marche? Il faut vraiment couper du bois là? Ok. Faut qu'on réussisse 5 fois d'affilée, au secours. Ok. Il nous regarde en mode, t'as vu, je suis... T'as vu papa? T'as vu papa, j'y arrive. Et c'est pour rénover le manoir de notre fou furieux qui nous a ruiné avec la bouffe là? En fait, au dernier épisode, il a fallu nourrir un énorme crapaud. Et ce crapaud est devenu le propriétaire d'un hôtel. Pour qui on travaille gratuitement. Oh, bravo! Pas mal, ça. Merci beaucoup, je retourne à la ville maintenant. Ok, donc là, on a recruté Nanimon sans faire exprès, c'était pas prévu. Hein. Mais let's go, du coup. Nanimon fait peur. Il est surtout très moche. Mais du coup, oui. Laisse-nous tranquille, Vegiemon. Allez, un petit coup, un dernier là. Allez, un petit dernier. Allez. Mais non, mais touche-le. Oh. Là-haut existe, hein. Il y a une range. Mais je crois qu'il l'a pas, il a pas son... Gambatane. Donc, si je fais ça, que je vais dans les skills, j'ai l'impression qu'il fait toujours spin attack, moi. Parce que Winning Knuckle, c'est pas ça. Ça a la même range. Attends, je vais lui enlever ça. Voilà. Alors, il va faire juste EV Impact. On va voir ce que ça... On va voir ce qui se passe. Ok. Il faut qu'on arrive au marécage. Le problème c'est que je sais plus du tout où il est. Ah, je crois qu'il est là. Au bout de ce chemin. Ou pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas où je suis. Alors on est sur la côte, ok, c'est pas là du tout. C'est pas là du tout, là il va nous agresser, mais non, j'ai pas envie. Faut qu'on retrouve le marécage à tout prix. Et on va affronter un boss normalement. Ah ben voilà. Ah ben voilà. En fait, il peut stun maintenant notre perso. Qui est assez fou pour jouer à ce jeu en 2024, quoi. Alors, là, nous avons une cascade. Attends, il marque quoi sur le panneau? Je veux lire le panneau, la caméra. Non, on en a rien à foutre du panneau, très bien. Non, Patamon! Le Dark Patamon. Et du coup là, ça l'a pas stun. Ah, il a pas d'animation terrible. Hein.
mais si à la limite il y avait un truc pour esquiver à coup sûr. Oh, il a envie de chier. Pour esquiver à coup sûr les combats ennemis, ça irait, mais comme. En fait, c'est. Moi, je trouve que c'est des combats qui font que tu perds, en fait. Parce qu'en fait, après, t'es là, genre, mais attends, moi j'étais où? J'étais là, ok, d'accord. Ah putain, en plus, tu rentres dans une salle, tu ressors. Laisse-nous tranquille. Ok, là, on vient de. J'ai aucune idée de là où je suis. Je crois que là-bas, c'était les égouts. Non? Ah si, c'est là le marécage. Attends, c'est là le marécage. Nous sommes arrivés au marécage par l'opération du Saint-Esprit, s'il existe. Donc là, il nous faut trouver des œufs. Il nous faut trouver des œufs. Gravel Westland. Merde. Il faut trouver des œufs. Normalement, j'ai une carte sous les yeux quelque part là. Et les œufs sont censés être les digi-œufs. Il faut qu'on aille deux fois sur la droite. Ah, ok. Il veut toujours parler celui-là. Hey, tu as battu Gatomon. Waouh. Plus fort que t'en as l'heure. Ne fais pas de mal. Voici quelque chose pour célébrer ta victoire. Deluxe Mushroom. Ok. En fait, les zones, c'est un peu toujours pareil. T'as toujours. Au début de la zone, t'as un PNJ qui te dit: ah, le boss, c'est lui, fais attention à lui. Oh là là, il est dangereux. Alors là, je crois qu'on est dans la zone des œufs. Il faut qu'on examine les œufs. Les œufs. Ah, mais ils sont là. Oula, mais c'est qui celui-là? Des œufs, ça? Des œufs, ça ou pas? À aucun moment, c'est des œufs, ces trucs. Ouais, non, mais ça, c'est là où il y avait Guilmon. L'estomac du dragon. Je ne sais pas où je suis. Attendez. Il y a un petit truc au milieu. Mais si, c'est ça. Ok. Ok. Apparemment, il y a des œufs par là. Laisse-moi tranquille, toi. Ah là, on n'était jamais allé ici, effectivement. Mais si, c'était Cherimon. Kabuterimon. Mon. Où sont les œufs? Lui, il veut quoi, lui? Ah, mon, tu vas me ramener des spores? Où je suis censé les trouver? Il y a des curieuses plantes qui se secouent quand tu les remues. Qui, ouais, je veux dire, qui... Hein, voilà. Ça doit être ça, là. Ça doit être ces dildos, là. Allons secouer du dildo. Non, mais attendez, c'est quoi ce délire? Il est où, Cherimon, là? Notiste, Big Log, with a great go Bilmon. Waouh. Ah, il a faim. Attendez, c'est quoi ce délire? On va le nourrir là. Je comprends pas cette histoire. You find Gatomon here. A déjà fait ça. Bon, on va fouiller la zone tout simplement, je pense. Parce que c'est le mieux à faire là, parce que je comprends rien. Un patamon, ouais, les patamon violets, c'est des. Ils ont d'autres noms, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est des patamon de nuit. Meurs! Alors ça serait bien que les combats en fait tu les fais. Ah, il faut vraiment qu'on lui donne l'autre attaque en fait. Le spécial.
C'est parti. Oh, j'ai raté. Boum. Je vais lui remettre l'attaque qu'il avait au début parce que... Ah, il a dit quelque chose, Gobelimon. Skills and pills. Fire breath. Alors. Là, on vient de là. Ok. Il faut secouer les dildos. Comme ceci. Oh, le dildo. Le dildo ne m'a rien donné. Continuons de secouer les dildos. Aux alentours. Bah là-bas, il y a un dildo à secouer. Normalement, il y a des œufs. Il y a des œufs quelque part. Examinez le nid. Avec des digi-œufs. Il n'y a pas de nid là. Le dildo. Ah, ça secoue pas. Il faut qu'il soit vraiment. Vraiment en évidence. Apparemment, il y a un nid quelque part. Il faut qu'on trouve un nid. C'est pas le truc au milieu, non, pas du tout. Ça, c'est de là où on vient. On va passer par là alors. Hein. On va partir à gauche. Mais c'est vrai que le décor, il est pas. Tu sais, les trucs à ramasser, ils sont pas hyper évidents. Je vous laisse. Des bisous, la meute, et courage pour ceux qui reprennent lundi. Et à demain, peut-être, il meurt. Merci beaucoup. D'être passé. Nous avons un palmon tout à fait classique. Secouons le dildo. Toujours rien. Petit champignon. Ah, quelqu'un qui veut parler là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tsukaimon apparemment, du coup je préfère Tsukaimon. Il ressemble mieux à une petite chauve-souris comme ça. Oh, il y a Gatomon qui était parti en pleurs. Mais qu'est-ce que t'as? Laisse-moi tranquille. Après tout ce que tu m'as fait, tu reviens ici? Nous sommes tous les deux à blâmer. Oui, tu as raison. Tu es bien pire que moi. Laisse-moi tranquille. Je vais lui donner. Je le soigne. Parce qu'en fait, on l'avait blessé, on l'avait affronté dans quelques épisodes de cela. Je ne veux pas de ta pitié. C'est très gênant. Et il est retourné en ville. Let's go. C'était pas prévu encore une fois, mais ça, c'est bien. Alors peut-être. Oh, il y a Kabuterimon ici. Le dildo. Mais pourquoi L'Angémon, on l'avait déjà vu ou pas? Putain, je sais pas où je suis. Il y a un mec à qui parler en tout cas. Ah, mais c'est Gérimon. Ok, on est retourné ici. Ok. Le dildong. Dildong. Là, il y avait Gatomon. Là, c'était le truc de la stèle. Mais putain, mais il est... Attendez, le truc de la stèle. Par rapport au truc de la stèle. Ah, la stèle, elle est là. Au fond du couloir. Donc là, il y a les champignons. Donc là, il y a les champignons. On passe. C'est que cette histoire de dingue. Et du coup, si on va là. Alors, normalement, il y a un passage. Si je retourne là. Il y a deux. Ah, il a envie de chier. Oh non, il a envie de chier. Non, non. J'ai reçu un mail. C'est Gatomon. Solé. Bonus Cypher également. Tan.
Ah mais il y a un chemin là. Ah bah c'est là non? Bah oui c'est là. 100% c'est ça. On va se trouver mais ça doit être par là. Hein. Le truc planqué x 1000. Hein? Ah mais il y a Goblimon là, il y a un mec. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi rien comprendre. Il y a un morceau de bois à péter là à tous les coups. En fait on va recheck le marécage quoi. Eh, attention. Le chemin est très dangereux par là. Dangereux comment? Tu vois à quel point le marécage est profond. Ah bah là, il n'y a aucun fond. On s'en fout. Est-ce que tu t'en fous? Mais moi non. J'ai pas envie de voir un mec se noyer devant moi. Comment je fais pour passer alors? Utilise des pierres pour pas t'enfoncer dans le... dans la boue. Mais j'ai le truc pour marcher sur l'eau, mec. Ok. Il veut que j'attrape les cailloux par terre, je crois. Faut vraiment que je ramasse les cailloux par terre là? Vraiment? Et là mon Digimon meurt et c'est une catastrophe. Attends, dors pas tout de suite. Dors pas tout de suite, on ramasse les cailloux d'abord. Tu comprends? C'est très important. C'est bon, on a ramassé les cailloux. Oh, trop bien. Oh, combien il nous manque? 14. Ok. Merde. Putain, ça me met pas dans le bon sens. Vas-y, t'as le droit de dormir. Bon, tu sais que ton Digimon décède, j'ai oublié. Bah, il te regarde et il fait je crève. En fait, c'est une durée de jour. Mais là, je sais pas trop quel jour il a. Là, il a 11 jours, je crois. 12. Oh, il est malade. Oh, le con. C'est parce qu'il aime pas cet endroit. Putain, et j'ai pas de médicaments en plus. Ah, il est toujours malade, merde. Il va mourir si je le soigne pas, ce con. Faut que je fasse le combat avant de le soigner. En fait, c'est parce qu'il aime pas la zone. Et du coup, il est tombé malade. Mais j'ai pas le choix, moi. Gobulimon. Mais on n'est pas du tout là où il faut être, bordel. Attendez. Donc là on est au canyon, Gobulimon, je sais pas quoi. Non. Laisse-nous tranquille. Non. Oh non, j'ai les deux sur le dos en plus. J'y crois. Oh non, c'est trop. Ils sont puissants là, non? Oh mais ils sont costauds là. Je me casse de là hein. Ok, c'est la merde. Faut qu'on arrive à fuir mais je ne sais pas comment. Attends.
Ah, il m'a vu, merde. Et c'est ça en fait. 3. Et ouais, en fait, voilà. L'œuf de Bird Ramon, il est au bout du tunnel, quoi. Fait chier. Comment on va faire pour passer dans ce merdier? Réussir à esquiver les deux Kuwagamon de merde! En plus, il est malade, mon perso, là. Je pense que c'est pour ça qu'il fait pas de dégâts. Elle est où sa vie? Ah, il est presque mort, ok. Là, c'est même pas qu'il est fatigué, c'est qu'il est malade. Le problème, c'est que là, on est arrivé trop loin pour plier bagage. Pour plier bagage maintenant. Ah, je crois qu'on est arrivé à l'endroit. C'est bon, c'est là, c'est le nid. Le nid que je cherchais. Arrête-toi là tout de suite! Personne ne fera de mal à mes bébés! Voilà. Souvenir de déjà vu. Après il revit, il renaît de ses cendres. Le spécial, vite, vite. Ok, je l'ai pas raté, c'est bon. Le poing dans la gueule du pigeon. Allez, c'est win. Plus facile à abattre que Kuwagamon, mais il a pris quand même un ulti. Yes. Oh damn, j'ai perdu. Je ne peux même pas protéger mes bébés, je ne suis qu'une merde. Je suis pas là pour les œufs. Mais pourquoi t'es là alors? Désolé de la confusion, je vous ai attaqué. Out of the blue like that. You out of the blue, tu es sorti du bleu comme ça, quoi. Mes bébés sont sur le point d'éclore. Je pense qu'ils ont besoin d'encore un petit jour. Je peux pas partir d'ici avant ça. Ok. Ok, ce qui veut dire que... Ce qui veut dire... Là, on va essayer de le soigner. On va essayer de le soigner à temps. Allez. T'as rempli ta mission. Est-ce qu'on va réussir à le soigner? Avant la mort. Soigne-le. Oh. Je veux un traitement. Oh là là, il a l'air bien malade. Le traitement coûte 300 balles. Ok, pas de soucis, je m'en occupe. Yosh. Et voilà, un petit suppôt et c'est reparti. Oh, le petit chat avec le masque. Mouanyamouan. Échec, échec. Oh, j'arrête pas d'échouer à l'entraînement. Tu dois savoir quand t'arrêter. Tu penses? J'essaierai la prochaine fois. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu as des légumes? Bien sûr. Voici une carotte. Oh fuck! C'est mon préféré. J'adore les carottes. Je me donnerai au max la prochaine fois. Digi-Evolution. J'aime bien le fait qu'on puisse faire digivolver des Digimon. Le chat qui se transforme en clébard. Allez, on y va. On sait pas si c'est un ours ou un chien. Oh là là, pas mal. J'ai eu de la chance. Ok. Pas mal, j'ai eu de la chance. Oui, c'est vrai, lui, il existe. Baboumon.
Et écoute, je peux te dire que tu peux garder un secret. Tu le diras jamais à personne, jamais. Totalement, ouais. Tu n'as pas l'air très honnête. Je ne te crois pas. Bon, d'accord. Je ferai le mieux que je peux. Ton attitude me fait croire que je peux te faire confiance. Mon secret est... Attendez. Je me déplace en cachette la nuit pour faire une petite balade. Peut-être qu'on se rencontrera la nuit la prochaine fois. Est-ce que tu irais à un rendez-vous avec moi? Tu le ferais? C'était très étrange cette discussion. Donc il faut qu'on attende un jour et normalement on aura le beurre Dramon, ses os ont éclos. Du coup on pourra aller le chercher parce que lui il est vraiment très pratique, il permettra de nous TP dans les zones. Et oui, en échange de beaucoup d'argent cela dit. Mais au moins on pourra pas se taper tout le chemin à chaque fois. Et vu. Ah merci beaucoup. Non merci. Il est trop pipius. Le Digimon de décès de vieillesse. Oui totalement. Oui. Oh, il y a une ruelle. Ici même. Oh mais c'est lui. Regardez-le, je l'ai trouvé. Ça a l'air d'être le bordel en dehors de la ville. Ok. Ah. Ils sont bizarres ceux-là. Ah, en plus là il me parle de la suite de l'aventure mais... Je n'arriverai jamais à digivolver. Je m'ennuie à mort dans la ville. Est-ce que tu sais où on pourrait se marrer? Aucune idée. T'es juste un petit enfant. J'étais bête de te demander. Ah c'est parce que je pense qu'il faut découvrir des endroits avant de... Certains endroits avant. C'est comme il se fait... Comme on se fait bully par... Oh non le caca. On se fait bully par des gosses quoi. Encore un gamin. Tu as reçu un mail. Ah mais c'est Birdramon, il faut qu'on aille le voir. Birdie de son petit surnom. J'aime trop Wanyamon, je le connaissais pas avant. Faut trouver le club où travaille Anjoumon. Ouais ben je pense que c'est ça puisque il dit là où les endroits où les adultes s'amusent. Mais je sais pas où est ce club. Ah en tout cas il y a Sidramon ici. Oh salut. Ah mais ça on l'avait déjà vu. C'est ouf quand même, la ville elle s'agrandit bien je trouve. En faisant des trucs au pif, ça fonctionne finalement. Qu'est-ce que je voulais faire? Les mails. Birdie, je suis désolé pour le... Encore le... La mésaventure de tout à l'heure. Soon, my children... bientôt, mes enfants vont éclore de l'œuf. N'hésite pas à revenir demain. Ok. J'ai une idée pour la ville. On pourrait faire une... Ouvrir un service de transport. Quelque chose que je voudrais te donner la prochaine fois qu'on se verra en ville. Ok. Ok, ça marche. Il est où le club d'Anjoumon là? Il est ici. Il est in the town. Je peux aller partout? Déjà, qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel de fous furieux là encore? Parce qu'il y a 46 étages, faut le savoir. Merde, j'ai sélectionné un truc. Je vais au troisième étage, on va voir ce qui se passe au troisième étage. Parce que la dernière fois il y a un mec qui m'a demandé un truc, je savais pas ce que c'était. Fermé. Une chaise. Normal. Oh la caméra là. La caméra elle nous a dit merde. Second étage. Fermé. Donc il y a pas beaucoup d'intérêt à aller ailleurs que le premier étage quoi.
Vraiment, quand il y a vraiment un mini-jeu de gestion hôtelière dans ce jeu, je comprends pas. Est-ce que vous savez ce que c'est le chat? Les... Aïe. This room is so relaxing. Thank you for introducing me to the nice room. Ah non, il veut plus. La dernière fois, il voulait un truc, je sais pas ce que c'était. Ah, il y a une anémone. Wow. Oh, c'est toi, le gars qui m'a aidé dans les bois. Je suis le manager. Ah bon? Ok. On m'a demandé de réparer les chiottes, alors je m'en occupe. What? What? Bienvenue, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Est-ce que les résidents ont besoin d'aide? Tout le monde a l'air de bien aller. Ah, vas-y, je me casse. On se casse de là, on se casse de là. Merde, je lui ai reparlé. Avec son pansement sur le nombril que j'ai toujours trouvé très bizarre. Le strip club des Digimon, mais il est où ce bordel? C'est le cas de le dire. Il est où le strip club Digimon? Il est là, dans la ruelle sombre. Peut-être là, remarque. Bah, en joue moins après, elle est là. Hein. Ah non, là c'est Devil Muffmon. Lady Devimon. Ah, je t'invite au manoir, mais bien sûr, je vous invite au manoir, madame. Il n'y a pas de. Ah, mais non, il n'y a pas de room en ce moment. Et ouais, ah merde. Donnez-moi un peu d'argent, tiens, 100 bits. Mais en fait, lui, je comprends. En fait, ça, c'est sûr, c'est un truc qui digivolve. Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est sorti de la ville sans faire exprès. Alors ça, c'est la pharmacie. Il est où le strip club, là? Excusez-moi, monsieur. Et où il est où le strip club? Ça te fait rire? On va visiter. On attend que le... Il faut attendre que le jour passe. Alors je sais où aller. Mais oh, il y a Gatomon, il est là. Oh. Voici un bansage qui pansera nos blessures. Ah, je peux l'inviter, mais il n'y a pas assez de. Ah merde. En fait, je peux les inviter à l'hôtel, mais je peux pas parce qu'il n'y a pas de chambre dans l'hôtel. Mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour aménager les chambres en fait. Je pense qu'il faut juste attendre. Il est là le strip club? Non. Ah mais c'est Guilmon qui fait ce bruit de fou furieux. La carte gold qui finalement nous n'avons jamais farmé. Mais je trouve que l'ambiance de ce jeu elle est drôle. Enfin, elle est détente, elle est rigolote, elle est colorée. Le basement. Attends, t'es là toi? Ah, cet endroit. Ah, mais il y a une stèle. Le X programme. Dont on t'attendait. Maintenant, on t'invite sur le champ de bataille. Tu rencontreras le pouvoir que tu n'as jamais connu. Et tu obtiendras de nouveaux pouvoirs toi-même. Attendez, j'ai fait la suite du jeu sans le vouloir, là. What the fuck is that? What the fuck is that? Salut, Dark Lucky. N'hésitez pas pour l'exclamation RS. Merci beaucoup. Bon appétit, bonne nuit, bonne soirée. What, j'ai traversé un pont. Merci à tous. Oh, il est stylé cet Agumon. Agumon X, c'est un Tigrex de Monster Hunter. Ah, t'es là, je vais t'expliquer. Le Mont Infinity, mais non, je veux pas aller là-bas. En gros, c'est le Mont Bataille de Pokémon Colosseum.
Je pense que je dois pas aller là-bas. Oh là, c'est un délire. Trop compliqué là, laisse-moi tranquille. Mais non, mais arrête! Mais je voulais pas y aller! Je veux pas! Bon, on est obligé d'y aller pour voir. Mon Infinity, allez! Le mot Infinity, c'est comme dans Digimon World, premier du nom quoi. En tout cas, ils l'ont bien fait épique, hein. Pour un jeu d'époque. Voilà, ils sont gentils. C'est vraiment. C'est, en fait, c'est. Putain, il y a vraiment des jeux dans des jeux quoi. Ah, là, il y a Greymon par contre. Putain, la gueule! C'est Greymon X énervé. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fous là? On est le mont Infinity d'investigation, l'équipe. J'en étais sûr. C'est la bagarre. Le moonwalk. J'espère qu'on va se faire massacrer. Voilà, une attaque qui ressemble à quelque chose. On avait qu'un seul rame de soin. Ah oui, c'est pour avoir la forme X, d'accord. Par contre, c'est normal que je gagne des PV là. 1000, c'est quoi ce bordel? Ah mais c'est parce que... Ah non, c'est parce que j'avais pris un item qui... J'ai ramassé un item qui... En tout cas, il est stylé le sprite. T'es fort! Mais j'ai pas fait exprès, madame la juge! La mégamite. La mégamite ultime. Je veux rentrer chez moi. Unlock terminal. Ah bah voilà. T'as débloqué l'accès à la nouvelle zone. En tout cas c'est sympa, t'as des petits items comme ça et après te... Et t'affrontes le boss, c'est rigolo. On retourne au lobby. Et là on retourne au lobby, on dit au revoir, on a réussi, allez ciao. Je suis assez pour aujourd'hui hein. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Mais nous on fait l'histoire en priorité. Mais est-ce que c'est peut-être la fin du jeu? La femme est partie. Elle a dit quelque chose à propos de... Cette zone n'était pas intéressante. Naturellement, ses partenaires faiblards de la meuf n'avaient aucune chance pour le programme X. Il n'y a... Oh, de toute façon, il y a... Voilà, je vais tout démonter. Et à chaque fois qu'il parle, lui, on comprend rien, c'est terrifiant. Hein. Je suis pas comme elle. Moi, je vais y aller. Le X programme, c'est mon délire. Let's go, Black. Et le mec, il a un fucking Black War Greymon, quoi. Je me demande ce qui se cache là-dedans. On va devenir encore plus fort avec Black. Et pourtant, son Black, c'est déjà un X, une forme X. Je connais pas, moi, les formes X. Je suis trop vieux pour ces conneries. Salamone. Mais oh! C'est qui Salamone? Pourquoi il est pas là? Ah, c'est lui. On dirait qu'il y a une entrée. Mais je t'ai dit de rester en dehors de ça, tu vas mourir. Ouais, je comprends rien.
Quand une opportunité se présente à moi, je fonce dessus. Mais t'es abruti complet, non. Ok, donc en gros, c'est Pokémon Donjon Mystère. C'est Digimon Donjon Mystère et faut aller secourir la brigade du Mont Infinity qui doit aller sauver les deux petits Digimon. Renéo, t'as mangé quoi? C'est intéressant ça, le Donjon Mystery là. Ah, j'ai un mail. Yuya. En tout cas, on a unlock des trucs de l'histoire. C'est déjà pas mal. T'as mangé quoi, Néo? McDo. Ah, bravo! Je ne te félicite pas. Non, t'as bien raison. Putain, j'ai envie de faire pareil. En plus, je suis malade, tu sais, j'ai envie de me réconforter. Je réchefflis. Il faut qu'on ramasse des cailloux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah non, il faut qu'on aille là-bas, ok. Vas-y, on va aller On va aller à la plage. C'est plus sympathique la plage quand même. Sympathique, on juge pas. Oui, on juge ce que tu as commandé, donc il faut que tu nous dises le menu. Et Monochromone, il est toujours pas allé à la ville, ce couillon. Il nous enverra un mail quand il sera content. De toute façon, le jeu, il fait exprès de faire passer des jours pour faire des events. Pour nous forcer à avoir notre Digimon qui meurt. Pour qu'on connaisse la tristesse. Pour qu'on connaisse la tristesse et la mort par décapitation. Oh, Patamon, bon hiver! Mais il y en a plein de Patamon. Attends, Digimon Rumble Arena, il dit. Quand j'étais petit, en fait, j'entends des trucs. Peut-être entends des trucs en anglais, mais tu comprends rien. Quand il faisait des moves, il disait un truc genre Bonivoué. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai compris qu'il disait Boom Bubble pour un truc. Boom Bubble. Maintenant que je le sais, je l'entends. Mais Bonivoué. Bonivoué, je sais pas ce que ça peut être. Faudrait que je vous montre in-game. Mais on l'a sur émulateur. À tout moment, ça part. Pas aujourd'hui, parce qu'il faut pas déconner, mais. Nan nan Pokéball. Menu CBO. CBO, franchement, moi j'aime bien. Pam 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 pam. Par contre, il faut toujours prendre le menu Golden, quoi. Le meilleur. Alors, est-ce qu'il s'est passé des trucs? Toujours rien? Super. Alors là, je vous spoil pas, mais il est censé se passer quelque chose qui nous fait traverser la mer. Je vous spoil pas. Mais apparemment, ça sera peut-être dans quelques jours. Faut attendre un jour de plus, je pense. Sinon, il faut pêcher des poissons. Oh. Faut pêcher des poissons et nourrir Mega Sidramon. Ça peut le faire. Meurs, créature du diable. Oh, le rire de Jobar. On est d'accord, c'est un squelette qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi avec le Big Tasty? Moi aussi, je l'aime bien le Big Tasty. Je l'aime beaucoup. Après, je suis pas. Je préfère le. Après, je mange pas beaucoup fast food, mais bon, on connaît bien. On connaît bien quand même. Il y a le double, je trouve ça cool.
Bah ouais, non. Pourquoi c'est pas cool? Toi, tu peux prendre les deux, c'est comme tu veux. Ah, il a cancel l'attaque, ça c'est bien ça. Mais mon Digimon, le problème c'est que vraiment ses attaques elles sont catastrophiques. Enfin, faudrait qu'il ait un truc à range qui one shot les gens quoi. C'est juste que j'ai pas les attaques quoi. J'ai pas les informations nécessaires. Il est où Mega fucking Sidramon? Oh, je comprends rien à rien. Attendez. Mega Sidramon. Mega Sidramon. Westland, Night Canyon. Non mais ça c'est la fin, on n'y est pas encore. Ancienne bombe swamp. Submerge ruine. En zone 5, Mega Sidramon was headed for the city when he was overcome with anger. Rien compris. Mais apparemment, Mega Sidramon. Mais apparemment, je devrais pêcher ici, soi-disant. Testons l'efficacité de la pêche en ces lieux. Fiche. Je fiche. Fichon. Fisher Price. Un petit poisson. Mouaha. Avant l'inflation, c'était moins cher. Bah, de toute façon, tout. Oh, un petit poisson encore. C'est super. Je comprends rien à ce qu'il me raconte. En tout cas, faut qu'on. Oh! Il y a Guilmon là. Ils m'ont fait tout un scandale pour la même merde. Bon. Magenizo. Vas-y, le spécial. Allez, le coup de poing dans la gueule. C'est parti, c'est maintenant. Boum. Là. Donc il y a Bird Ramon qui nous attend. Bah en vrai, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Je ne joke pas. Je pense qu'on va faire nos petites emplettes pour la prochaine fois. Je pense ça va être pas mal. Nos petites emplettes. Parce qu'on a récolté quelques fonds nécessaires à la potentialité que nous offre le jeu dans les prochaines aventures. Donc on va parler à ce petit monsieur tout commande avec son très beau couvre-chef là. Le petit chapeau. Alors ça on en prend une dizaine, une bonne demi-douzaine. Ça. Bon, faut pas en prendre trop non plus, faut pas abuser. L'autopilote on en prend deux, c'est la totale. Et après, full pot de chambre portatif. Voilà. Et là, on se met bien. Bah voilà, les petites emplettes ont été récoltées. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'on va sauvegarder ici. On a fait quelque chose. On a fait quoi? Ah si, on a fait des trucs. Donc attendez, ce que je propose... Oh putain, ça va être compliqué. Oh non, ça va être chiant. C'est qu'on arrive à retrouver le chemin du marécage et une fois dans le marécage, on sauvegarde. Comme ça, la prochaine fois, on sait direct ce qu'il faut faire. On va voir Birdie. Est-ce qu'on continue demain, d'ailleurs, l'aventure rocambolesque? Parce que je me dis, c'est bien quand on est lancé, comme ça, on... Laisse-nous tranquille. Putain, mais laisse-nous tranquille! J'en peux plus. En plus là, je sais que là il va sur le dodo là. Voilà, tu vois là il dort, tu vois, je le savais putain. Donc il faut trouver le marécage. C'est pas là-bas, c'est par là.
Hop, la technique. Il m'a vu, je dors. Il m'a vu, on dort. Peut-être qu'au réveil, il y aura plus le même mec et il nous chargera pas. Non, 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 il a fait caca dans son sommeil. Oh, le caca. Le caca qui restera là pour nous rappeler notre échec. Ça fait deux fois qu'il chie par terre, hein. Je suis pas d'accord, hein. Est-ce que c'est le marécage? Dites-moi que c'est le marécage. Oui, c'est le marécage. Oui, oui. Donc on va se regarder. Ah mais non, attendez, on peut. En vrai, on va voir Birdramon. On va voir Bird. Allez, on y va. On y va. On va le voir. On va le voir. À moins que ce soit beaucoup trop chiant en fait, parce que je suis en train de me rappeler que là, il a dormi, remarque. Oh. En plus, c'est l'endroit où il tombe malade. C'est quoi ce bruit de fou? Agouramon. Je crois que c'est par là. Il a faim, mais tu mangeras quand tu le mériteras. Le mec odieux. Tu mangeras quand tu l'auras mérité. Ah, bon déjà il y a des petites merdes là. J'ai même pas été agressif, ok, nickel. Oui, allez, je te donne à manger, allez. Tu l'as mérité. Solé. Sale bestiole. Et Birdie, alors les bébés ils ont éclos. Il va mourir mon Digimon. Vous avez vu, il baisse la tête, il va crever. Mes bébés sont sur le point d'éclore. Oh. Quoi? Pourquoi il me dit qu'il a besoin d'un jour? Non. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Comment on va faire? Non, il va mourir. Regardez, il baisse la tête, il va mourir. Non. En vrai, t'étais pas ouf en termes de technique, mais t'as gagné tous tes combats et tu nous as beaucoup fait avancer. Et en plus, ce con d'oiseau, il nous a menti. Attends, nous on l'a envoyé quand le mail? On regarde vraiment nos mails dans le jeu pour savoir l'heure du mail, quoi. Il nous l'a envoyé quand le mail? On n'a pas l'heure du mail, mais c'est complètement con, c'est la base. On n'a pas l'heure du mail, bordel. Ah, j'y crois pas, quoi. Pourquoi il est pas validé son mail? Tu vas mourir mon ami. La suite en tout cas au prochain. On saura s'il mourra au prochain épisode. Des bisous YouTube. On se retrouve en live sur Twitch ou sur YouTube. Au revoir. Discord. Point d'exclamation Discord. Enfin ça marche pas pour vous mais dans la description. Allez. Au revoir.